Nous qui le regardons à travers vos yeux, est très différent de ce Picasso mondain, de ce Picasso de cinéma, de revue. Il avait envie de s'amuser, comme Jacqueline Picasso, et quand il s'amusait, mais tout le monde a le droit de s'amuser, ça ne signifie rien, n'est-ce pas? Ce que vous dites est très, très bien posé, et vous me faites penser à la phrase de Michel-Ange dans la dernière partie de sa vie, quand il disait « Quand en aurai-je fini avec ce marbre qui me sépare de ma statue ?» Eh bien, c'était pareil, simplement, Picasso, c'était l'univers. Quand en aurai-je fini avec cet univers qui me sépare de ma peinture? C'est le « il faut que je fasse quelque chose qui n'existe pas » et qu'en même temps on reconnaisse. Quand je dis on reconnaisse, nous entendons bien ce que je ne veux pas dire, dont on reconnaisse le modèle. Je veux dire, dont on reconnaisse l'action exactement de la même façon que la figure kabbalistique a son action de alors là, de sorcellerie, d'une certaine façon, n'est-ce pas, démiurgie est l'équivalent positif du négatif sorcellerie. Là-dessus, il y a un texte que j'aimerais vous lire. Un texte de vous. Vous dites, le mot sorcier plaît à Picasso. Il s'accorde à la transe de certaines de ses formes, à ses figures de grimoire, à sa puissance de métamorphose. Picasso aime les chauves-souris. Il a recueilli des scorpions, des petits hiboux, et fait passer les secondes dans ses toiles en attendant les colombes. Il connaît la part mystérieuse de son génie, ses crises paludiques d'invention. Je lui ai dit un jour au sujet de Laurence d'Arabie que la légende des monstres sacrés n'allait pas sans une part de mystère. Oui, m'a-t-il répondu, mais quand ce sont des peintres, il faut que le mystère soit dans la peinture. Je trouve que tout d'un coup, on est vraiment au centre, enfin, de vos relations avec Picasso et avec l'art en général, Mais enfin. vous êtes au centre de quelque chose d'essentiel pour Picasso, dont il a encore assez parlé, mais dont il n'a jamais écrit. Et puis dont il n'a pas beaucoup parlé avec des gens qui étaient des spécialistes de son art. Je pense à un homme comme Zervos, qui, après tout, a eu des entretiens importants avec Picasso, mais alors il n'était pas de cette nature-là. Et je crois que la clé de tout est dans une scène bien antérieure, quand il me raconte qu'il voit pour la première fois l'art nègre au Trocadéro et qu'il dit « Les nègres avaient compris que tout, c'est pas d'accord, c'est ennemi. » Alors, ce qui était important, c'est que j'ai reconnu un art qui donnait à la sculpture la même fonction que moi. Et il ne s'agissait pas d'imiter des formes comme pour les copains, il s'agissait de retrouver une attitude fondamentale de l'artiste en face de l'univers. Bon, eh bien, je crois que considérer que tout ce qui nous entoure, c'est ennemi, est quelque chose qui est resté en lui toute sa vie et que c'est une des clés les plus profondes de son art. Alors, à la fin, ça s'était neutralisé. Il est assez probable qu'une présence féminine extrêmement chaleureuse et agissante peut avoir son rôle. Il est possible que toutes sortes d'autres choses aient joué, que l'âge même joue, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quand vous regardez les 400 derniers tarots, les 400 dernières toiles, vous vous rendez bien compte que le règlement avec l'ennemi, avec cet univers qui Hostile, n'est oui. pas d'accord continue jusqu'au dernier jour. Les trucs les plus étonnants d'Avignon, je les ai appelés des tarots, mais ce sont réellement des figures de grimoire. Il n'y a pas de doute. Nous ne connaîtrions rien de l'art moderne. Et nous tomberions sur 50 de ces trucs. Ce Mais que ce que vous vous avez apporté apportez là, là, oui. vous diriez, évidemment, nous sommes dans un art magique. Thank you.
Ah, c'était le bon, je vais pas, hein.